Alors, on va continuer notre série sur le lâcher prise. Si vous vous sentez toujours insatisfait de votre vie, de vos amis, de vous-même, de votre travail, de votre vie professionnelle, de vos enfants, si vous sentez ce sentiment d'insatisfaction permanente, alors cette vidéo est faite pour vous. J'aimerais vous poser de questions, que vous vous posiez la question. Avez-vous eu de grands manques affectifs dans votre enfance? Avez-vous manqué d'amour? Parce que très souvent, quand on se sent insatisfait, c'est qu'en nous, il y a comme des failles. On se sent obligé de combler ses manques et parfois, pour les combler, on va toujours être dans l'action et vouloir avoir. On va convoiter, envier et vouloir acquérir de plus en plus d'objets, d'être beaucoup plus dans le matériel que dans l'être, pour combler finalement ces manques affectifs. Et malheureusement, avoir ne pourra jamais satisfaire l'être. Avoir et être sont deux dimensions totalement différentes. Et quand on a des manques affectifs dans notre enfance, quand on n'a pas senti un père présent, ou une mère très attentionnée, ou que nos frères et sœurs nous ont beaucoup diminués, rabaissés, ou qu'on s'est senti dévalorisé, eh bien on va chercher, en tant qu'adulte, à combler ces manques affectifs. Mais parfois, malheureusement, on se trompe de route. On va chercher à combler par le matériel ce qui nous manque au niveau émotionnel. Et vous comprendrez bien que c'est exactement l'inverse, mais on met du temps à s'en rendre compte. Et puis, sur la route, on est souvent insatisfait. On se sent à chaque fois démuni. On sent qu'on a fait énormément d'efforts. On sent qu'on a peut-être même acquis énormément de choses au niveau matériel. Mais intérieurement, on sent qu'on n'est pas serein, qu'on n'est pas détendu, que le lâcher-prise nous échappe. Et on s'éloigne de plus en plus du bien-être. Et on se sent, par contre, de plus en plus tendu. Alors si c'est le cas, comprenez que ce n'est pas au niveau matériel que ça se joue. Et faites bien la distinction entre l'être et l'avoir. Avoir des choses, obtenir un statut, ne comblera pas les manques affectifs que vous ressentez. La seule chose qui pourra combler ces manques affectifs-là, ce sera de faire une introspection sur vous-même et peut-être d'apprendre à vous donner vous de l'amour, puisque il n'y a pas eu de personnes autour de vous qui ont su vous le donner. Peut-être qu'ils ont essayé mais qu'ils n'y sont pas arrivés, peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne façon de fonctionner eux aussi. Mais vous pouvez vous le donner. Apprenez plutôt à vous respecter, vous aimer, vous valoriser. Et là, vous verrez que vous arriverez à ce degré de sérénité que vous cherchez tant. Sans chercher à avoir plus, mais à chercher à être plus. Connectez-vous à l'instant présent. Ancrez-vous dans ces moments du présent, au petit bonheur de la vie. Cherchez à donner plus d'attention, de temps de qualité aux êtres que vous aimez, à passer du temps de qualité aux êtres avec les êtres que vous aimez, et vous verrez que petit à petit, vous vous sentirez de mieux en mieux. Parce que vous avez cherché à combler les manques, mais peut-être que la route n'était pas la bonne. Cherchez la bonne route qui vous comblera, c'est la route de l'être, de l'authenticité, du temps investi pour vous-même, et vous verrez que les résultats ne tarderont pas à arriver.